Putain, l'autre là, c'est un gros salaud, il est déjà parti se coucher celui-là. Genre, les je vais ranger le T6, tiens. Puis tiens, je fais plus rien. Ce buzz. Oh là. Il est bien rangé là. Allez, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Je remettais de l'essence dans ma voiture. Hein? Bon, allez, go. À tout à l'heure. Ouais, Enfin, salut, bonne enfin nuit. ouais, demain. Demain. C'est quoi qu'on entend là? Attends, attends, attends. Attends, le T6! Putain, hé! Ah, putain! Non! Connard! Connard! Putain, appelle les flics, appelle les flics, appelle les flics! Je vais tirer dessus, je vais tirer dessus! Appelle les flics au lieu de tirer comme un malade là! Montez 6! Appelle les flics! Attends, 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 je les appelle! Arrête, arrête, j'appelle les flics là s'ils entendent déjà ça! Oui, allô? Allô? Oui, monsieur le policier? Il y a eu un vol. On nous a volé un tracteur, un T6, un New Holland, un bleu. Ok, bah j'arrive à la faire. Un bleu comme vous, monsieur. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, c'est la ferme. Du Jean-Pierre. Voilà. Allez, à tout de c'est suite. Nous là. Je vais dire la j'arrive ferme. Pas à ouvrir le portail. Tu sais ce que j'ai failli dire? Non. La ferme Jean-Cul. J'ai rien dit. Faut ouvrir cette pute. Pourquoi? Eh, regarde. Robin. Robin, regarde la porte. Non, non, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Ah, s'ouvre pas. Ah, non, non, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Je vais l'enfoncer la porte, ça continue. Ah non, c'est bon. Vas-y, rentre. Allez, dépêchez-vous, putain. On n'a pas que ça à faire. Bah, qu'est-ce que c'est une accélération de merde? C'est pas de ma faute. Ouais. Bon, allons boire un café. Ah non, merde, c'est bon, on est en service. Oui, monsieur, alors... Oui, monsieur, alors... on nous a volé un tracteur, il était là, 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 regardez, là. Là, là. Il est encore là, il est vert, là, il est beau. Mais il est bleu, 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 comme vous. Voilà. Comme vous, bleu, bleu. Il était bleu. Et puis, vous allez me le retrouver, parce que là, le connard, là, il a pris le putain de tracteur. Je sais pas où allez, il est. Allez, cherchez là, bordel! Vous avez rêvé, monsieur, là. Le tracteur, il est encore là. Mais il y a un tracteur bleu qui était là! Un autre tracteur! T'es sûr que c'était pas le noir qui était là-bas? Mais vous nous faites chier! Cherchez, merde! Ok. Ah! Putain, il a l'air aussi con, celui-là! Aussi oh con que mon pied! Là, plus vite, plus vite! La pousse ta caisse de merde, là! Ali! Gros tas! Elle accélère pas! Ouais! Et là, pousse la porte, elle se ferme! Pourquoi cette porte, elle se ferme? Putain! Regarde, j'arrive pas à l'ouvrir! Regarde, je clique un coup! Je lui ai tiré dessus, hein! Ouais, bah oui, t'es engueulé! Pourquoi ça referme? Bon, elle est pourrie ta porte! Enfin, que tu vas. Je sais pas, je m'en bats les couilles, laisse-la tout le temps! Non, ferme-la! Putain, je crois que j'avais pas fermé la porte en plus, elle était pas fermée je crois celle-là. C'est un mongolito ce mec hein. Ouais bah il est là le tracteur, mais non mais on t'a dit que c'était un tracteur bleu mais qu'est-ce que... Putain, il est là vraiment... Vraiment teubé celui-là. Allô monsieur Ayrton? Oui allô? Oui, c'est vous qui avez perdu le tracteur? Oui. Je l'ai retrouvé. Ah, ah bah il est où, dépêchez-vous. Alors en fait... Il n'y a plus que le pneu avant gauche. Non, vous foutez de ma gueule. Non, c'est une blague, bien sûr. Vous croyez qu'on fait des blagues à cette époque-là, là, pendant qu'on va voler un putain de tracteur? Ah. Bon, bah... Attendez. Je vous le ramène. Ouvre la porte! Mais je la veux pas s'ouvrir. Bah, ouvrons-la quand même. Je vous le ramène, le tracteur. Mais vous savez conduire, ils sont où, les clés? Bah, ils sont dessus. T'es con. Mais je les avais pas laissés dessus.
Ah, si ça allume, c'est qu'elles sont dessus. Ça peut être light. Ouvre, dépêche, pourquoi tu sors pas là? Avec ta voiture pourrie. Mais parce qu'il a l'air, couille molle. Et t'es comment comme la lune, toi, ou ça se passe comment? Mais regarde, ouais, quand j'ouvre la porte, regarde ce que ça fait. Pourquoi elle fait ça, la porte? Comment on fait pour tourner? Ah, oh merde, un mur. Oh merde. Bon, mais... je vous laisse. Attends. Non, mais il est con, celui-là. Merde. Oh, le policier. Je suis un agent de police, hein. Je suis pas un conducteur. Ah bah non, bah ça, je le vois bien. Hein. Putain. Et j'arrivais pas à tourner. C'est tellement lourd, j'arrive pas à tourner. C'est tellement lourd de quoi? J'arrivais pas à tourner. Bah pourquoi? Hey, Blackbird. Il faudrait peut-être lui annoncer que c'est un proc. Hein. Là. Oui, il dit quand? Oh, il faut encore continuer. Bon, tu sais conduire ou quoi là? C'est pas compliqué de tourner un volant. Pas comme si c'était un tracteur comme un D22, oui, là je vois. Oh, j'avoue, t'es con comme la lune, toi, connard. Là, il a la direction assistée dessus. Parce que t'es con. Oh, ça va, j'ai juste défoncé le... La bah tu vas payer. J'ai juste défoncé le merde, comment ça s'appelle, le relevage avant, c'est bon. Ah bah oui, c'est bon, puis on fauche comment, nous? On va faucher comment, on va l'atteler où? Bah ouais, on va faucher avec notre roue de balle. T'as cru quoi, toi? Y'a le tracteur noir, là-bas, il est bien. Oui, mais si celui-là est en panne, on fait comment? Si on veut mettre une masse... Il est trop gros, le tracteur noir. Et si on veut mettre une masse sur celui-là? Il y a le tracteur vert. Il a... Ah si, il a un relevage. Oui, mais il a le godet. On va pas démonter tout à chaque fois. Bah ferme ta gueule. Bah il y a le casque. C'est pas agriculteur, tu peux pas connaître. Oui, mais regarde le casque, il a pas de relevage avant. Il a les masses. Les masses, là. Là. Au pire, je vais retourner au commissariat. Les voilà, les masses. Ah oui, connard. Putain. Ah merde. Et je peux... Et il est beau, le noir, hein. Oui, bah tu le démarres pas ou tu l'utilises pas. Il vaut 500 000 euros presque. Je peux le démarrer? Non. Je n'ai pas les clés. Ah merci, tu as donné les clés, toi. Attendez. Oula, il veut pas, hein. Bah, pousse-toi. Je vais le faire, t'es con, regarde. Voilà, nickel. Oui, j'accélère un petit coup, et il démarre. Les gars. Attendez, j'accélère. Ah, il y a calé. Non, mais t'as fait comment pour faire caler un tracteur, toi? Non, attends, regarde, je te montre. Voilà, regarde, c'est pas compliqué, regarde. Et tu m'as dit qu'il était en panne. Il est pas en panne, j'ai dit si il était en panne. Il est con celui-là. On sait jamais. Con. Patron. Attends, je vais le faire démarrer alors. Oh putain, mais il en fait exprès. Attends. Ah bah merde, il a calé. Mais putain, elle nique pas la batterie. La batterie, c'est toi qui la paye, non, peut-être. Attends. Je vais le faire chauffer un peu. Il va me payer l'essence celui-là. Je te prends l'essence, hein, la batterie, tout ça, il va la payer. Et je le fais chauffer, c'est bon, je laisse qu'une heure, ça va passer. Bah, ça, et pourquoi tu le fais chauffer? On n'a pas besoin pendant une semaine. Ah bon? Ah non? Bah, j'accélère, attends. Merde, il a calé. Un embrayage, ça se lâche pas d'un coup! Qu'est-ce que t'es con? Doucement! T'es con, mais t'es con! Allez, vas-y, recule! Voilà. Voilà, t'es bon, t'es content? Il est reculé, tu touches plus. Ils sont où les clés? Merde, je suis en ma clé. Tiens, prends les clés, toi, trou du cul. Ah, merci. Robin, dis-lui que c'était un prank. Dire quoi? Ayrton. Quoi? C'est un prank. De quoi? Bah, en fait, le tracteur, en fait, c'est un ancien bras de relevage qu'on a remis cassé. Et il a fait exprès de ne pas savoir conduire des tracteurs. Et au retour de police, c'est un ami policier qui nous l'a prêté. Ah, donc en fait, on s'est pas fait voler le tracteur? Non. Ah donc lui c'est pas un policier? Non. Ah bah c'est pour ça alors. Je vais fermer ma porte. Là. Ah bah il est déjà là. Ah bah il a préparé les roues fines. Ouais, sur ce fameux tracteur. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Donc là on va aller pulvériser. Bah tu vas y aller, oui. Ouais. Dis, on aurait une fourche à palette? Je crois pas. Enfin, il y en avait une à la concession qu'il fallait qu'on ait cherché, mais on n'a pas toujours été. Okay, tu pourrais aller chercher tout à l'heure. Bah, de toute façon, il faut bien que j'aille parce que pour te mettre les big bags. Mais il y en a là. Ah bon? Il y en a, il y en a assez normalement. Où ça? Bah là, regarde, viens voir. Là, il y a des cuves et tout ça.
Il y a une cuve. Ah oui, là derrière. Ça devrait suffire la cuve, hein, ce qu'il y a. Après, on rajoute ça en eau, puis ça y va. Puis t'as le tuyau avec ? Bah oui. Tout va avec, hein. Et tout est là, hein. Bien, bah vas-y, j'accroche, tu me. Ou. Ouais. Ouais, vas-y, attends, je le fais. Tu recules et puis j'accroche. Ouais. Attends deux secondes. Ouais, du coup. Tu me guides? Ouais, attends. Alors attention, recule un petit peu. Recule. Attends deux secondes, change la radio. Ok. Recule. 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 Stop. C'est bon, attends. Ah, je mets le cardan. Voilà, attends, je lève la béquille. Attends. Nickel. Voilà, nickel. Tu peux... Vas-y, monte dessus pour mettre le tuyau à l'arrière. Ouais. Ah merde, je passe pas. Attends, faut qu'on déplace notre tracteur parce que je vais pas y arriver. Voilà. Stop. T'as failli toucher. Bon, on va prendre le tuyau. On va le brancher. Hop. Nickel. Là. Ça se remplit doucement. Je vois dans la jauge là. Là, c'est juste le produit machin. Puis après, on rajoute de l'eau. Là-bas. Mm. Voilà. J'ai mis assez. Tu peux aller où... Ouais, je vais tirer le tuyau d'eau. Mais il n'y aura pas attends, assez. Attends, là-bas. Faut brancher le tuyau. Voilà, hop, on tire. Ah, j'ai attends, deux secondes. Ah, j'ai pas beaucoup de tuyaux, hein, t'as vu? Ouais. Attends, c'est où? Là. Tu peux faire le tour de l'arbre et puis comme ça. Ouais, t'inquiète. Vas-y, stop! Voilà! C'est bon! Voilà, hop, je vais mettre le tuyau d'eau. Voilà, on va remplir. On tourne le robinet, c'est bon, ça va couler. C'est bon, ça remplit. C'est bon, c'est rempli. Ouais, attends, j'enlève ça. Voilà. Mais ça là, je ferme le robinet. Voilà. Ouais, bon, bah c'est bon, je peux y aller. Bon, je vais la parcelle là qui est là, là, pas loin, là, à côté, là. Ouais. Bah, tu pourrais venir me guider là-bas parce que là, pour déplier le truc, en plus, ça va être chiant. Bah, attends, aide-moi à décrocher la fourche parce qu'en même temps, j'irai. Ouais. Attends, je fais un truc. Hop. Voilà. On la fout, c'était con. Bon, attends, on va la foutre dans l'atelier. Ouais, bah ouais. Parce qu'en plus, faut redresser un pic, alors. Ouais. Attends, je vais te la dételer. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Merci. Bon, bah vas-y, je te suis, parce que je sais pas trop quel sens c'est. Ouais, attends, je ferme la porte. Ouais, pareil. Attends-moi deux secondes, je vais me foutre la radio. Ouais. Moi j'avance tout doucement. Énergie, nickel, c'est parti. Ah, il y a la barrière à ouvrir. Merde. Attends. Vas-y, j'y vais. Nickel. On va mettre le clignotant quand même. Même si ça sert à rien, parce que bon, moi ça c'est que ma route à nous. Hein? Ouais, c'est bon, j'ai mis la CB. Ouais. Là, ça sert à rien de mettre les clignotants, hein, parce que bon... Non, c'est notre route, y'a personne. Celle-là, ouais, par contre, là, on va le mettre, parce que bon, cas où. Je prends assez large, parce qu'une fois, je me suis fait avoir. Mmh, bah ouais, prends assez large, parce que... Ah, c'est le champ à droite, là? Bah ouais, donc c'est pour ça, c'est chiant.
Oh parce putain, que, quoi, vachement cher, vachement large, hein. Bah oui. Parce que en plus il y a le poteau là qui va me faire chier. J'ai jamais encore traité ici, mais ça doit être galère. Ah, par contre, j'ai peut-être parti trop loin. On verra. Je peux déplier là? Ouais, c'est bon, vas-y, déplie. Ouais, je suis parti loin, moi. Ouais, que je fasse attention parce que là, il y a les voitures. Ouais, je suis parti loin. C'est vachement loin, vieux. Ah merde, en plus bon c'est pas grave, je vais faire des traces, c'est un peu gelé donc ça devrait pas trop. Ouais, on va descendre ça, ça je vais mieux voir. Ah t'es nickel hein. Ah, je suis bien pour traiter. Waouh, ouais. T'assure que la... je touche pas. La hauteur et puis tout c'est nickel. Vas-y commence là, commence là. Ah mais attends, parce qu'il faut commencer du bout. Non mais on s'en fout, vas-y roule, roule. Ouais. Mais par contre là t'es pas vers le bord mais bon. Eh roule. Tiens regarde donc. Merde attends là je vais toucher les arbres. Bon bah je te laisse faire hein. Tu fais gaffe. Attends je vais aller voir un truc. Aïe pull. Putain d'automne merde ils savent pas conduire hein. Ah bah oui. Oh. Ils sont pas possibles. Ouais. Putain ça pue le traitement là. Oh. Ah ouais. Ah il pue le bordel. Va faire ta fenêtre. Ouais mais bon. La fenêtre à l'arrière elle est ouverte je crois non. Ouais. Mais bon c'est comme ça. Je vois mieux. Il y a un bureau de... Ils l'ont mis c'est le bureau de police. Ah bon. Bah oui il est là. Il est vers l'ancienne usine à Coca-Cola. Ah bon. Ouais. Bon, c'est nouveau, c'est dans la même cour que l'ancienne usine à Coca-Cola. Ça a dû changer? Ouais, parce que j'ai pas vu ça, moi. C'est récent, parce qu'hier, s'il y était pas, hein. Ah bon? Oh, merde! Putain, j'ai accroché la barrière. C'est aussi chiant, ça. À manier. Ah bah, elle est là. Et en plus, il est parti en vacances, je crois, l'autre. Le? Ah, le concession. De toute façon, ils ont toujours des vacances toute l'année, eux. On sait rien, ah merde, mais de toute façon, là, on aurait je vais... pu passer là. Là, il y avait un petit chemin là qui mène directement dans le champ. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, du coup, je vais récupérer le plateau qu'on avait acheté. Ouais. Par contre, les vaches, faut que tu fasses attention parce que là, ils vont respirer tout le produit là. S'il y a du vent, ils soient pas malades. Oh, merde, j'ai failli toucher. Ah, c'est pas pratique en fait ce pulvé. Comme ça, là, j'aurais préféré avoir un pulvé tissé directement attelé derrière. Ouais. Bon, il est bien, mais bon. Ouais, je vais toucher, là. Parmes. De la bonne musique, hein. Ah. Farmers. Ouais, du coup, j'avais, tu sais, pour, du coup, je ramène les semences là qu'on avait achetées. Ouais. On dirait peut-être qu'on s'achète un télescopique à l'occasion. Ouais. J'ai vu en plus là, il y avait un vieux JCB d'occasion. Ah, il y a un plomb qui a pas épandu, je crois. Oula, ça me paraît pas très large, ça. Deux. Je crois qu'il y a, il y a qu'un seul plomb qui a tourné sur l'autre, sur les deux. C'est bizarre, ça. Bah ouais. Je vais pas toucher cette option-là. Oh putain, chier. Allez, vas-y, hop.
Bon bah voilà, je vais replier le bordel. Voilà. Là, je suis un peu sur la route là. Au moins ça fait tourner un peu le New Holland. Parce que c'est vrai qu'il sert pour beaucoup lui. Ah ben. Je sais pas si on. Je pense qu'on le changera lui, le New Holland. Je préférerais racheter un petit 845 XL, tu vois. Ouais, ou alors faudrait qu'on parte sur du John Deere ou une connerie comme ça, parce que celui-là. Oh non, pas John Deere, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non. Ou je sais oh, pas. On pourrait mais. Ouais, s'il y en a pas cher. Parce que je sais qu'il y a des promos là. Mais c'est sur les classes surtout. Bon, on a déjà deux. Oh, classe, c'est bon, hein, on en a deux. Oui. On va fermer ça. Voilà. On va décrocher ça. Voilà. Ouais, puis on pourrait se repartir comme sur un petit case là. Ouais. Un vieux case. J'en ai vu un sur le bon coin là. Un vieux case? Ouais. Ouais, mais il nous faudrait un petit tracteur, comment ça s'appelle, un petit tracteur maniable. Un 845. Ouais, voilà, un truc comme ça. On n'a pas de case. Ah bah si, on a le 14. Ah si. Bah ouais, il nous faut... c'est ça, il nous faut le JCB, là. Ouais. Faut appeler les gars. Appelle. Quel gars? Attends, voilà. Deux secondes. Bon, il va être garé, lui, on va fermer la fenêtre. On va l'éteindre. Ouais, du coup, tu pourrais appeler les gars, là. Appelle-les maintenant. Ouais. Mais ça dépend quel gars, parce que j'en ai tellement appelé, moi. Bah, t'appelles celui pour le 845. Je t'ai envoyé le numéro, de toute façon. Ouais. Oh ouais, je les appelle. Ouais. Alors, je prends mon tel. Voilà. Hop. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir si vous vendez toujours le 845 XL. Le 845 sur le bon coin? Oui. Oui, bien sûr, je le vends toujours. Est-ce qu'on pourra vous l'acheter? Oui, bien sûr. Donc il est au prix de... Combien déjà? 10 000. 10 000 euros? Ouais. Non, 5 000 pardon. 5 000? Ouais, 5 000 oui. C'est bien. Donc on peut venir vous le chercher quand? Quand vous voulez, hein. Ok. Bah, j'habite dans la ville de Goldcrest Valley. Ah oui, bah je connais ici. Vous inquiétez pas, je connais. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Je connais bien. Bah vous me recontactez quand vous venez le chercher. Ok, je vous recontacterai parce que peut-être que je vais passer le main demain, mais je sais pas parce qu'on a des choses à faire. Alors bon, on verra. Je vous appellerai de toute façon. Mais vous m'avez pas déjà contacté? Vous vous appelez pas Monsieur Robin? Non, moi je suis pas Monsieur Robin. Mais moi je suis Monsieur. C'est votre collègue? Ouais, c'est mon collègue. Enfin mon chef. Ah d'accord. Ok. Bah. Okay. Bah vous viendrez le chercher. Ok. Bon bah au revoir monsieur. C'est 38 rue de l'automne à Goldcrest Valley. C'est okay. La ferme, vous verrez bien. C'est une grosse ferme. De toute façon je connais donc bon. D'accord. Ok, bon allez, au revoir monsieur. À bientôt monsieur, au revoir. Voilà. Bon bah il nous le vend à 5000 euros. Ah oui, il fait un prix? Bah oui, c'était 10 000 euros je crois, c'est l'annonce. Ouais, c'est ça. Oui, il a peut-être modifié l'annonce. Et pour le JCB? Ah, pour le JCB, ça je sais pas. Bah... C'est le, c'est quoi le JCB déjà? C'est le deuxième numéro, attends, c'est 06. Ok, je tape. Ah 06, oui, voilà. 59. C'est bon, j'ai trouvé. Si je l'avais déjà enregistré, tu m'avais fait enregistrer, je me rappelle. Allez hop, j'appelle. Ah, c'est tout de suite sur la messagerie. Putain. Attends, je réessaye. Ah non, ça sonne. C'est bon. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour. Ici le concessionnaire JCB.
Oui, je vous C'est appelle parti. pour le JCB. Pour le vieux JCB là que je vends? Oui, je pense. D'accord. Vous le voulez? Bah oui. D'accord. Vous avez l'argent? Oui. Et vous viendrez quand? Alors ça, je sais pas, parce que on a déjà acheté, on est déjà en train d'acheter un tracteur. Faut qu'on y aille, faut. Je sais pas quand est-ce que je peux le prendre. Parce que je suis dans la ville de Ghost Crest Valley. Aussi. Ouais. Ah bah alors Enfin. oui, bah c'est bien pour avoir les points. Ouais. Ah, vous êtes dans la même ville que l'autre truc que vous devez Oui. acheter? Oui, c'est un 845 XL, un casier H. Ah oui, je le connais, c'est chez Jackie. Ouais, je crois. D'accord. Bah. Ouais. Ok. Bon bah je passerai peut-être demain, alors. D'accord. Je vous appellerai avant. Ok. Bon Bon bah, à bah à peut-être demain. demain alors. À demain. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Alors? Bah ouais, c'est bon. Il est au Goldcrest Valley aussi. Bon, attends, je vais appeler voir. Appelle voir ton banquier. Oh là, pour lui demander combien? Ben, un prêt. Ouais, ça Il c'est avait bien. dit combien le JCB? Je sais pas, je crois que c'était 20 000 euros. Comme Et ça. 20 000, 25 000. Tu demandes un prêt de 25 000? Ouais. Je les appelle. Bon bah t'es rentré. Bon, je vais appeler le banquier. Ouais. Bah, j'y repars en fait. Ouais. Bah c'est J'ai un dossier dans heureusement la que j'ai gueule, faut ma. pas que Oh, je je le vois que j'ai dégueule. toujours tu sais les trucs CB avec les écouteurs, machin. Ouais. Bon allez, j'appelle le banquier. Attends, je prends le numéro. Ah, il doit se rappeler de moi, lui. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, alors bonjour. Je vous appelle au sujet parce que j'aimerais refaire un prêt. C'est au nom de Ayrton. Encore? Mais c'est inadmissible, monsieur! Bah, pourquoi? Mais vous êtes sur votre compte, là, il vous reste plus que 100 euros! C'est inadmissible! Et bah, j'ai pas arrêté de faire de prêt. Non, mais monsieur! Vous vous foutez de mon gueule ou pas? Bah non. Sérieusement! Bah Mais non. c'est combien votre prêt? 25 000 euros. C'est hors de question! Non mais c'est pas vous qui commande, c'est moi qui commande quand même. J'ai le droit de faire des prêts quand même. Je vous les rembourse à chaque fois quand même, hein. Faut pas non plus abuser. Et Ouais, ouais. bah sur 4 ans, c'est bon, hein! Ouais. En même temps, c'est 1 million d'euros. Là, c'est que 25 000. En plus, votre ferme, vous l'avez rendue. Oui, bah, je vous ai Vous l'avez remboursé revendue déjà. peu de temps après! Ah oui? Mais là, on a déjà tout dépensé parce qu'il faut aller refaire des trucs. Ça part vite, hein. Puis il fallait que je vous rembourse déjà 400 000 euros. Il ne me restait plus que 100 000 euros. On a acheté des trucs. Il fallait racheter des trucs, mais là, bah, il n'y a plus grand-chose. Hein? Non, mais dis donc. C'est impossible, monsieur! Vous prenez pour qui, vous, là? Attends, j'hallucine. Si j'ai envie de faire un prêt de 25 000, je le fais. C'est tout. Non mais vous allez pas cracher pour 25 000 euros. Bon, d'accord. Mais d'accord. Mais alors, vous aidez, hein? Vous rembourserez vite, hein? Oui, vous inquiétez pas. L'été, normalement, c'est remboursé cet été. Cet été, d'accord. Ça vous va? Oui, ça Parce va que nous comme il y voir. aura les moissons et tout ça, on aura de l'argent. Ok. Et bon. Ok, bah je vous rappelle ce qu'il y a mon ouvrier. D'accord. Au revoir, monsieur. Eh, je suis le patron quand même, hein. Hein? Je suis le patron, je suis pas l'ouvrier. Non mais je sais. T'as dit mon ouvrier? Oh, c'est pareil. Je suis encore habitué que c'est encore l'ouvrier. Hein? On s'en fout. Bon, et ce que je veux dire, c'est que ouais, il m'a engueulé à moitié, il a dit oh non, pas de prêt! Attends, je t'entends mal dans la cible, j'arrive. Ouais. Hey, vous voulez pas me faire de prêt? Il Oh, me le commence à con. m'engueuler, bah moi j'ai commencé à l'engueuler aussi, mais il m'a fait un prêt quand même. Il m'a envoyé chier. Eh, où? Et j'ai remboursé là 1 million d'euros, hein, pour pousser. Ouais, c'est vrai. Putain, tu sais, les banquiers, des fois, c'est des forçats. Des fois, voilà quoi. Ah, ça part vite l'argent. Il y avait 100 000 euros, mais en 2 semaines, il n'y avait plus rien. Ah bah! Ah, les réparations de lui là qui était à moitié bizarre. Enfin, il fallait changer les pneus. On a changé les pneus de celui-là aussi.
Ah, ça fait déjà 10 000 euros en moins. Même peut-être plus. Et pour acheter des roues fines pour celui-là, il y en avait pour 10 000 euros chaque... Enfin, pas chaque roue, mais des 4 roues, 10 000 euros. Bon, ça part vite. Ouais, bah, ça part comme des petits pains, frère. Ouais, ah oui, mais c'est... Puis il commence à me dire, non, mais j'accepte pas après, non. Les banquiers ne se rendent pas compte que ça coûte cher, en fait. Bah oui, surtout qu'il y a... Hey, j'espère qu'il y aura pas trop de taxes à payer. Parce que j'ai demandé 25 000 euros, mais... Est-ce que ça bah au pire je paye la location du camion. Ouais non mais c'est pour ça, c'est surtout quand tu vas acheter le matériel. Et toutes les taxes à payer. De toute façon j'avais pour 50 000 euros en tout. Non, il y a les deux cartes grises sur les deux, donc c'est bon. Ouais, ouais, puis la location du camion, tu peux la payer. Oui, t'inquiète. T'as assez d'argent. Ouais, t'inquiète. Ok, bon. Juste c'est où qu'il faut aller les chercher? À Goldcrest Valley. Les deux? Ouais. Bon, c'est bien ça. Mais c'est génial. Bah oui, et puis ils se connaissent en plus. Donc bon, pour ça, fera un plateau. Parce que moi, j'ai fait pas 200 km en tracteur. Hein. Ah bah non, j'ai fait en camion. Hein. Ah oui. Bah on va demander. Là, je suis au concessionnaire là que je charge les trucs, je vais lui demander. Bah oui, tu peux lui demander comme ça. On va être tranquille. Ouais. Ok. Bon, voilà. Voilà, on va aller manger, je pense. Il est quelle heure? Il est midi? Ouais. Ouais. Et là, il éteint les gyros aussi. Parce que... Ouais, ce que j'allais faire. Bon, on peut le laisser là. Attends, je vais le foutre mieux. Ouais. Hop, au moins il est à l'ombre. Là, quand ça, il fera pas trop chaud dedans. Enfin, même si on commence avec l'hiver, c'est pas grave. De toute façon, il y a la clim dedans. Ouais, bah oui. Au pire. Bon, bah, je vais aller manger. Je reviens tout à l'heure. Ouais, bon, moi, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hey! Oui? Ouais, je vais regarder. Ouais, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure.